La princesse et les insectes. Une histoire écrite et illustrée par Jennifer Dalrymple. Au cœur d'une forêt, il était un royaume. Ou plutôt, ce royaume était la forêt même, immense, profonde. Seule une petite ville couronnée d'un château rappelait la présence des hommes. Tout le reste n'était qu'arbres rugueux, arbustes, herbes sauvages et belles luisantes. Les sentiers s'entrecoupaient de discrets ruisseaux et dans les brumes matinales, déchirées par les branchages, les animaux allaient et venaient. Dans la terre brune odorante, les insectes s'activaient. Dans le château vivait un roi, et ce roi avait une fille, Lila. Lila était une vraie princesse, jolie et capricieuse. Elle avait pour compagne ses deux marraines, Mi et Ma, deux fées pas plus grosses que des oiseaux-mouches qui tournoyaient autour d'elle du matin au soir, l'assommant de conseils et de réprimandes. Lila ne rêvait que d'une chose, avoir la paix, être seule de temps en temps pour courir, jouer et faire les bêtises qu'elle voulait. Mais ces deux marraines ne la quittaient jamais. Un jour, profitant que Mi et Ma se régalaient de biscuits dans la boîte à gâteaux, Lila en saisit le couvercle et y enferma les deux fées. Enfin seule, elle décida de se sauver loin, loin, à la découverte du monde. Elle prit une pomme comme goûter et courut hors du château, hors de la ville. Elle courut jusque dans la forêt profonde. Lila avait tant couru qu'elle s'allongea dans l'herbe, épuisée. Bien vite, elle s'endormit. Dans ses cheveux, une araignée vint accrocher sa toile. Des fourmis firent une expédition sur ses jambes et quelques cloportes vinrent se promener sur son ventre. En ouvrant les yeux, Lila se découvrit tout envahie. Elle poussa un cri de terreur et voulut fuir. Mais, en se baissant pour reprendre sa pomme, elle vit le fruit couvert de gros vers et de petits insectes pattus. « Sale bestiole !» hurla la fillette. « Je vous ordonne de laisser ma pomme. Je suis la fille du roi. Et quand mon père saura ce que vous avez fait, vous, les habitants les plus petits et les moins importants de son royaume, il vous fera chasser. » Lila abandonna la pomme, la rage au cœur, et rentra au château, où elle s'enferma dans sa chambre et gronda jusqu'au matin. La nuit vint, et la lune pleine et ronde ouvrit son œil blanc sur le royaume. Tandis qu'en ville et au château tout dormait, une étrange réunion se tenait au cœur de la forêt. Autour d'une énorme fourmi s'étaient réunis vers et araignées, cafards, hannetons, coccinelles et charançons, mouches, moustiques, puces et pucerons, abeilles, guêpes et bourdons. Enfin, tous les petits êtres qui grouillent, rampent et voltent dans la forêt. L'énorme fourmi haranguait cette foule. « C'en est trop! Pour qui se prend cette gamine? Son père est roi chez les hommes, mais sur nous, il n'a aucun pouvoir. Que les humains nous fichent la paix !» « C'est bien vrai !» bourdonnaient les insectes. « Ils ne veulent pas de nous dans leur jardin !» se plaignit la limace. « Ils nous écrasent du talon !» ajouta le ver. « Ils disent que nous sommes vilains !» ronchonna le cafard. « C'est eux les vilains !» clama l'araignée. « Il est temps de leur donner une leçon !» reprit la fourmi. « Partons ! Quittons cette forêt, et ils verront bien ces humains si nous sommes aussi inférieurs et inutiles qu'ils le disent !» Ainsi fut fait. Avant l'aube, tous les insectes étaient partis. La rosée vint s'accrocher à des toiles sans araignées. La terre ne fut pas grattée et l'écorce des arbres ne fut pas fouillée. Les oiseaux, les écureuils et les musaraignes cherchèrent en vain de quoi se nourrir. En fin de journée, la ville était en émoi. Tous ceux qui étaient allés dans la forêt en étaient revenus bouleversés. « Il n'y a plus un bruit !» disaient les uns. « La forêt semble morte !» disaient les autres. Soudain, les enfants poussèrent des cris en désignant le ciel. « Regardez les oiseaux !» Ce soir-là,
tous les oiseaux s'en allèrent loin, loin de cet endroit où ils ne trouvaient plus à manger. Les jours et les semaines passèrent. Peu à peu, la forêt semblait se fermer sur elle-même. Au château, le roi était inquiet. « Je ne comprends pas. Cette forêt était la vie, la joie. Maintenant, elle sent la mort. Il n'y a eu que quelques fleurs ce printemps, et l'été risque de ne produire aucun fruit. Et cette odeur fétide. Que font donc les insectes ?» Lila sursauta. « Les insectes ? Qu'ont-ils à voir là-dedans ?»« Mais tout !» s'écria le roi. « Tout ! Les insectes sont les travailleurs de la forêt. Ils découpent les feuilles et les fruits tombés, et les enfouissent dans le sol et les y mêlent pour former un bon humus bien gras dont se nourrissent les plantes vigoureuses. » Le roi prit un ton de professeur. « Et les abeilles, les guêpes et toutes les petites créatures ailées portent le pollen des plantes mâles sur les plantes femelles et permettent ainsi leur reproduction. « Ah, mon enfant » soupira-t-il. « Comme je regrette de n'avoir jamais pris le temps de t'expliquer tout cela. C'est merveille que le travail des insectes. Ils sont les habitants les plus petits, mais sûrement les plus importants de mon royaume. » Une fois le roi parti, Lila fondit en larmes. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demandèrent ses marraines. Le secret était si lourd à porter que, entre deux hoquets, la princesse reconnut avoir fâché les insectes à cause d'une pomme. « Nom d'un troll !» s'exclama Mi. « C'est donc toi la responsable de la catastrophe ?»« Tout est clair désormais !» ajouta Ma. Au-dessus de Lila, les deux fées tournoyaient pour réfléchir. « Toute faute se répare !» reprit Ma. « Oui, oui !» fit Mi. « Il suffit d'aller demander pardon et tout redeviendra comme avant. Pardon ? » bafouilla Lila. « Mais à qui ? Et comment ?»« C'est à toi de te débrouiller, » dit Ma. « Mais si tu veux, tes marraines peuvent t'aider. » Lila fait oui de la tête. Alors Mi et Ma se mirent à danser autour d'elle, en une ronde de plus en plus rapide. « Cric, 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 mouche et moucheron, papillote et papillon. Cric, 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 mouche et moucheron. » Et Lila se mit à rétrécir, rétrécir, rétrécir tant qu'elle se retrouva pas plus haute que ses marraines. Les deux fées prirent la toute petite Lila chacune par une main et s'envolèrent avec elle par la fenêtre. Luttant contre la brise, elles l'emportèrent jusqu'à la forêt. Les arbres y étaient gigantesques, plus hauts et plus larges que les tours du château. Mais, sans les insectes, le sol était devenu une grosse éponge moisie, verdâtre et malodorante. « Hélas !» pensait Lila. « Comment faire pour les retrouver ?» Seule, au milieu de toute cette désolation, poussait une petite violette. Cette modeste fleur avait décidé de vivre malgré tout. Et tant d'obstination donna du courage à la princesse qui cria aux fées. « Allons, continuons les recherches !» Lila et ses marraines reprirent leur vol. Plus loin, la forêt retrouvait son feuillage, ses couleurs et ses bonnes odeurs. Elles aperçurent un étang et descendirent tout près de sa surface pour se rafraîchir, sans se soucier de l'ombre noire qui glissait dans l'onde. Lila était lourde. Mi et Ma se posèrent sur un nénuphar. Alors, d'un bond superbe, une perche s'élança hors de l'eau, la gueule grande ouverte. Mi et Ma furent gobées. Lila en réchappa, mais ce fut pour couler à pic dans l'eau trouble de l'étang. Lila se réveilla sous l'eau dans un lieu étrange, une chambre minuscule et ronde dans laquelle elle pouvait à peine bouger et dont les murs transparents et mous laissaient voir tout autour un paysage extraordinaire. Quelque chose remua contre ses pieds. C'était une araignée gigantesque, brune et velue. Elle lâcha une bulle d'air et la chambre s'agrandit. « Qui êtes-vous ? » demanda Lila, paralysée par la peur. « Je suis l'araignée Argironette. Et tu es dans mon nid, ma bulle d'air au fond de l'eau. Clac !» Lila bafouilla, de plus en plus terrorisée. « Vous allez me manger ? »
Clac! Fit l'araignée. Tu es trop vilaine! Vilaine? Vous me devez le respect. Je suis la fille du roi. Clac! Je sais qui tu es, répliqua l'araignée. Et je sais ce que tu as fait et comment la forêt meurt à cause de toi. Lila se défendit. Justement, je suis venue demander pardon aux insectes pour qu'ils reviennent dans la forêt de mon père. Clac! Clac! Ha! La forêt de mon père! Sans les insectes, il n'y a pas de forêt. Ton père ne règne que sur les humains, pas sur la forêt, ni sur les insectes. Et maintenant, oust! Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. File de chez moi, tu prends trop de place dans ma bulle. Lila ne se le fit pas dire deux fois. Elle passa les mains, puis la tête et tout le corps à travers les parois d'air. Et aussi vite qu'elle put, nagea vers la surface. À la surface, Lila avala une grande bouffée d'air. Elle était au milieu de l'étang. La rive était loin. Zzzz. Une libellule passait à toute allure au-dessus de sa tête. « S'il vous plaît !» cria Lila. La libellule s'immobilisa. « S'il vous plaît, portez-moi jusqu'à la rive. Je n'ai pas la force de nager jusque là-bas. » La libellule se posa sur l'eau et Lila monta sur son dos. « Bzzz. Attention à mes ailes !» fit la libellule qui s'éleva à la verticale et reprit son vol à une vitesse incroyable. « Tu es une drôle de bête! Que fais-tu ici ?» Se souvenant des paroles de l'araignée argéronnette, Lila répondit prudemment. « Je cherche le roi des insectes !»« Le roi des insectes ?» répéta la libellule très étonnée. « Mais... « Les insectes n'ont pas de roi. »« Pas de roi ? Mais qui vous commande ?»« Zzzz. Personne. Je suis né ici, j'ai été larve, puis libellule. Je me nourris d'insectes et je pond mes œufs. Et un jour, un poisson me mangera. C'est comme ça depuis toujours. Pas besoin de roi pour ces choses-là. » Arrivée à la rive, la libellule se débarrassa de sa passagère et partit sans même la saluer. Lila se sentait seule et perdue. Ses larmes coulaient. Un papillon vint se poser devant elle. Il ouvrit ses ailes. Le soleil en fit scintiller les milliers d'écailles. « Que vous êtes beau !» balbutia Lila. « Je sais, » dit le lépidoptère. « C'est ma spécialité. Je fais du beau. » Il déroula sa trompe et aspira une des larmes de la fillette. « Viens, monte sur mon dos. » Mais attention à mes ailes. Où m'emmenez-vous? Je vais te donner plein de beaux, dit le papillon en prenant son vol. L'insecte aux ailes merveilleuses offrit à sa nouvelle amie la beauté des fleurs les plus délicates, les pétales tendres et irisés, les senteurs parfumées. Il l'invita à goûter au pollen qu'il recueillit pour elle avec sa trompe. Et ils se régalèrent en admirant des scarabées verts, bleus, et mordorés. Leur promenade les mena dans une partie de la forêt très abîmée. « C'est du lait !» fit le papillon. « Beaucoup d'insectes ont abandonné un autre endroit de la forêt et sont arrivés ici, où il y en avait déjà un nombre suffisant. Du coup, ça en fait trop, et tout est dévasté. »« Oh non !» s'attrista Lila. « Tout est ma faute !» Elle conta son histoire et dit qu'elle était venue pour demander pardon. « Mais je ne sais pas à qui, » conclut-elle, « puisque les insectes n'ont pas de roi. » Le papillon réfléchit. « Notre roi à nous, c'est ce qui fait le beau. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il faut que tu parles à tous les insectes. Et si tu trouves les mots justes, ils t'écouteront. » Lila escalada un champignon et appela d'une voix forte. « Insectes, écoutez-moi, je suis la princesse Lila, la fille du roi. » Et, sa gorge se noua, elle reprit plus doucement. « En vérité, je ne suis qu'une petite fille, et j'ai fait une bêtise. » Quelques coccinelles et vers de terre s'approchèrent. « Par ma faute, vous avez quitté la forêt, là-bas, et maintenant, elle se meurt.
car sans vous, elle ne peut pas vivre. Je suis venu vous demander pardon. Revenez, s'il vous plaît. Faites-le pour la forêt. Faites-le pour l'équilibre. » Autour de la fillette, un grand nombre d'insectes s'étaient groupés, et certains commençaient à dire « Elle a raison, il est temps pour nous de rentrer au pays. » Mais l'énorme fourmi se dressa et dit « Croyez-vous qu'un petit pardon suffise? Moi, je dis que nous ne retournerons pas dans la forêt. » Derrière Lila, deux voix s'élevèrent, des voix familières que la princesse pensait ne plus jamais entendre. « Fourmi, » dit Ma, « serais-tu plus orgueilleuse et plus rancunière que les humains ?» Les deux fées pointaient le doigt sur la fourmi. « Et par orgueil, » ajouta Mi, « tu laisserais mourir la forêt ?» La fourmi agacée battait des pattes, mais les insectes lui tournèrent le dos. Ils avaient décidé de rentrer chez eux. « Tu vois, » conclut Ma, « aucun roi ne commande aux insectes. » La fourmi dépitée s'enfonça sous terre et disparut. Lila et ses marraines s'embrassèrent. « Je vous croyais morte !» murmura la princesse. « La perche nous a bel et bien gobés, » expliqua Mi, « mais elle a eu tellement mal au ventre qu'elle a dû nous recracher. Ensuite, nous t'avons cherché partout. Et finalement, nous avons rencontré cette jante libellule qui t'avait porté jusqu'à la rive. Zzzz, fit la libellule, ravie d'avoir pu me rendre utile. » Le soir tombait. La libellule et le papillon ramenèrent Lila, Mi et Ma au château. Dans sa chambre, Lila reprit sa taille normale, ou presque. En vérité, elle avait un peu grandi. Après quelques jours, les insectes étaient tous rentrés chez eux. Tous ces petits êtres eurent d'abord beaucoup de travail à rattraper, mais peu à peu, ils redonnèrent à la forêt son aspect d'autrefois. Les oiseaux et les animaux revinrent alors, et lorsque l'automne arriva, la forêt exhala de nouveau son parfum merveilleux. Le roi décida qu'il était temps d'enseigner à Lila les liens délicats qui existent entre les plantes, les insectes et les animaux de la forêt. Il était ravi de voir que toutes ces explications captivaient sa fille. Mais il était aussi fort surpris de voir la princesse saluer les insectes, comme s'il y avait eu entre Lila et eux une profonde amitié.